Ce que l'histoire ne vous dit pas et que nous allons vous révéler, c'est la vraie vie, croyez-moi, de vos héros de contes de fées. Continuez, Cendrillon. Je suis au bout de ma vie. Moi, je pensais qu'après mon enfance, qui était déjà pas... Je pensais que ça pouvait que s'arranger. C'est insupportable, ces rumeurs. Non, mais j'hallucine. J'entends, ça circule au palais. Tout ça parce que j'ai vécu avec les 7 nains. Bon, c'est vrai que c'était une super coloc. Avec Simplet, il m'a bien fait délirer. Avec Hachoum, on s'est tapé des barres. Bon, le ménage, c'était pas trop ça, mais bon. Quand bien même, si j'avais été un gars qui avait squatté avec 7 naines, ce serait différent. Et qu'est-ce qui vous amène, Jasmine ? Bah, Aladdin, il sort au bar à chicha avec son pote le génie et moi, je reste là, à la maison, toute seule. On m'avait dit qu'un homme viendrait et qu'il réglerait tous mes problèmes. Si, si, on l'a dit. Biboudi, bobidi, bouka, disait ma marraine. En fait, j'étais prisonnière d'un palais et maintenant, je suis prisonnière d'un autre palais. Déjà, mon père, il voulait me marier avec un vieux gars du bled. Je tenais juste à dire que c'est interdit par la loi. Revenons à votre histoire d'amour. Comment vous êtes rencontrés ? Vous vous souvenez des premiers moments ? Ah bah parlons-en, tiens. Déjà, je dors, le mec, je le connais pas. Il vient, il m'embrasse. Tranquille. Sorcellerie. Je tiens quand même à dire que je suis diplômé de l'école supérieure de chimie. Merlin, lui, c'est un enchanteur. Moi, je me tape le nez crochu et le caractère de chiotte. Merci les gars. Donc, je pense qu'il serait important de faire une petite mise au point. Quand je dis non, c'est non. Et quand je dors, bah c'est non aussi. Vas-y, je sais pas, là, j'ai l'impression de tourner en rond, là, comme une bourrique. Il est où mon rêve bleu? Je dois porter tous les jours des pantoufles de verre. Vous avez déjà porté des pantoufles de verre? Essayez, mettez des bouts de verre dans vos chaussures. Vous verrez, c'est l'extase. Bah moi, mon délire, c'était la street, je vais jouer avec mes potes et tout, je me déguise, je me faufile la nuit et tout, tout ça quoi. Voilà, c'était ça mon rêve. Presque toutes mes copines sont mortes déjà, la mère à Réponse, la belle-mère à Blanche-Neige et Ursula qui s'embrouille avec la petite sirène. Déjà, dans les contes, passé un certain âge, soit t'es fée, soit t'es dans la merde. J'ai passé la moitié de ma vie à roupier, l'autre à faire des enfants. 38 gosses. 38 ? Ah oui, quand même. Oui, et monsieur n'est jamais là. Il chasse le dragon, brûle la sorcière, toujours une bonne excuse. Celles qui s'en sortent, elles sont jeunes, mais belles aussi. Parce que les jeunes, mais moches, elles prennent très cher, très cher. Moi, ça va, je suis une sorcière de lambda qui fait des seconds rôles, donc ils m'ont pas encore tué. Mais c'est lourd, très lourd, très lourd. Et la minceur, qu'est-ce qu'on raconte comme conneries aux princesses ? Pourquoi vous croyez que je me suis jetée sur une pomme proposée par une vieille que je connaissais même pas ? J'avais rien bouffé depuis 3 jours. Bon, à l'époque, j'essayais le régime d'une jolie. Ça marche bien. Tu perds 40 kilos et après tu meurs. J'ai fait tout comme on m'a dit. Je suis belle. Je suis douce. Je parle pas beaucoup. Blanche, non mais Blanche quoi, sérieusement. Vous savez que j'ai fait une découverte récemment ? Je suis noire. Je me sens pas libre. Vous voyez, tous les matins, je dois aller casser du dragon. Mais j'ai pas envie. Je dois être fort, je dois être courageux, je dois être valeureux même. Mais tout ça, c'est pas moi. Moi, j'aime bien jardiner, j'aime bien lire, j'aime bien rêver aussi. Ah bah oui. Mais c'était pas évident aussi. J'ai toujours eu que des poupées blanches. Dans les magazines, j'ai toujours vu que des blanches. Et mon prénom, Blanche, forcément, ça embrouille. Ça fait flipper, n'est-ce pas, les conneries de contes de fées. Mais surtout, ne désespérez pas, on peut tous s'en libérer.